Donc voilà, j'ai bien avancé avec dans ma seconde jambe. Alors, on va continuer ainsi droit jusqu'à une hauteur voulue. Donc, deuxième série de diminution. Cette fois-ci, je fais une bride. 2 et 3 et je fais deux brides ensemble. Ensemble, je refais trois brides. Une, deux et trois. Puis on fait deux brides une fois. Deux fois. Et on fait le tour. Donc, puis 3 et une bride, demi-bride et 3. Une, deux, trois. Terminé par une, deux brides ensemble, puis je fais une bride, deux. Alors ici je viens, je joins je ferme par or. Alors, excusez-moi, je vais fermer. Je refais donc une rangée simple.
Donc je fais le tour. Je fais le tour et on se retrouve ici. On termine. Donc je vais joindre donc ici, donc je vais former ce qui va nous servir du chivi pour notre alors c'est simple pour la suite si je fais une machinette 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 et 14. 14 machinettes. Je vais faire. Je fais maille bricolée, je crois. Je me fais donc 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je suis sur cette bride et je vais faire, je pique simplement mon crochet première fois, deuxième fois, je tourne, donc, je compte une, deux, je viens dans la troisième et je refais cette fois-ci, donc je pique dans le brin pardon, extérieur. Ce fait, je dois avoir 13 au total. Et 13. Je fais une maille chinette, je tourne ici, et je refais donc une, deux, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize.
première fois, je vais sauter deux brides. Cette fois-ci, je vais sauter. Je fais une, deux et trois. Je tourne. J'ai une, deux, trois. Donc, je viens dans quatrième. Je refais une, deux. Excusez-moi, je dois avoir 13. Donc ça me fait 1, 2, 3, oui. Je tourne. Je fais une, deux, trois, quatre, cinq, six. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ici, donc j'ai fait une et deux. Et je tourne, je viens la troisième et je refais donc la séquence. Alors voilà comment nous allons former la cheville donc de notre jambe. On va faire le tour. À la fin, ça va nous donner ceci. On fait le tour. Alors, ce que nous avons, alors si on va réaliser donc la dernière rangée. Alors, si la dernière fait, puis et je repars.
Alors, à la fin, je vais simplement donc faire la couture entre la première partie et ceci. Donc, très simple, on prend le brin extérieur et on joint. Bien, donc la dernière, donc, simplement voilà, donc on va cacher le bout du fil avec une aiguille. Donc voilà, donc terminé. Et ça nous donne deux. Alors lorsqu'on termine, je reviens ici, donc je prends ici, ici je vais refaire aussi simplement donc trois mailles chaînettes et puis je fais donc une. Ah oui, excusez-moi. Alors excusez-moi, j'ai failli commettre une petite on va travailler en une, deux, trois, et puis je fais une, deux ensemble, une, deux, trois, et je fais une, deux ensemble, et je vais faire donc le tour ici. Donc je vais faire le tour et on se retrouve ici au début. Terminer une, deux et trois, et je termine par une et deux ensemble.
Alors je viens ici, je joins. Alors donc là je monte, excusez-moi, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, 16 mailles. 17 et 18. Donc je saute première maille chaînette, je viens dans la 17e et je commence donc ma séquence. Donc, on va refaire la même chose qu'on a fait pour chaque jambe. Donc on fait 2, on saute 3 jusqu'à la fin. Dernière. Donc je prends premier, deuxième, je tourne, pareil, une, deux, je viens dans la troisième et je répète donc la séquence. La dernière, je fais une maille chaînette, je tourne et je repars. Dernière. Alors, cette fois-ci, on va faire une fois, deux fois, et trois fois, et on tourne, et on se donc une, deux, trois, on vient dans la quatrième, et on répète la séquence. Fait aller-retour deux fois, aller trois fois, aller retour deux fois, aller trois fois, et on fait le tour de notre. Alors, donc,
Voilà ce que nous avons. Donc, je suis arrivée à la dernière rangée. Alors, pour la dernière rangée, on refait donc la même chose. Dernière ici et on joint le tout. Alors cette fois-ci je repars pour terminer. Donc je vais faire la même chose que j'ai fait pour les jambes, il suffit de joindre le tout et puis d'arrêter les mailles. Toujours on commence par le bras extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, ceci. Chercher la dernière. Alors donc voilà comment, excusez-moi,
Alors, le reste avec une aiguille, je vais cacher simplement les morceaux de fil qui traînent entre la rangée et puis on termine. Voilà terminé notre pantalon. Alors, vous voyez, il est bien large, donc on n'aurait pas de souci. Alors, à la fin, ce que je vais faire, c'est simplement bon, je vais réaliser plutôt une double chaînette. Pour faire un petit nœud de... Alors, excusez-moi, ceci. Je revois d'abord ma manière de faire un petit nœud. Alors donc voilà terminé notre tutoriel, chers amis. J'espère que le tutoriel il va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à le partager, de commenter ou bien de m'envoyer des messages si vous avez des questions. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Surtout je vous souhaite bien des choses. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter donc ce pantalon que j'ai réalisé au crochet. Alors c'est un pantalon très simple à réaliser, il monte très facilement. Donc pour celles qui aiment bien faire du crochet, j'espère que le tutoriel il va vous plaire. Alors c'est un pantalon pour une taille donc allant de 2 ans à 4 ans voire 5 ans. Ben, déjà je dis qu'il est très large. C'est juste, je prévois pour les mois à venir pour ma fille. Voilà pourquoi donc j'ai crocheté ce pantalon. Il est très large. Alors il fait au total, il va nous faire. Bon. Commençons ici donc. Il va nous faire un total de 56 cm. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est très large. 56 cm de longueur et pour largeur totale de 26 cm. Donc 56 de long et 26 de large. Alors, comme je dis, c'est pour une taille de 2 ans et demi à 5 ans. Donc vous allez voir. Je vais vous donner les nombres de mailles pour les tailles un peu plus grande. Alors donc voilà, nous allons réaliser ensemble ce magnifique pantalon très facile à réaliser, à crocheter même pour des débutants.